La situation à la frontière libano-israélienne. Un drone israélien a ciblé mercredi dans l'après-midi la ligne électrique qui alimente le Litani à Taïbé, juste après que la compagnie d'électricité l'ait entretenue. L'armée israélienne a revendiqué une attaque contre des infrastructures du Hezbollah à Matmoura et Sheba. Des raids israéliens ont visé Khiem et Ait al-Sha'b, alors que l'artillerie a ciblé Kfar Shouba et Wadi Hamoul, ainsi que les abords de Dhaïra, Wazani, Bint Jbeil, Ait al-Sha'b, Adaïsé, Kfar Shouba et Meïs el-Jabal. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir pris pour cible des bâtiments utilisés par des soldats israéliens dans la colonie de Metula. Les personnes qui s'y trouvaient ont été tuées et blessées selon lui. Le Hezbollah a aussi ciblé du matériel d'espionnage près du site de Belkacem. Dans le cas où une guerre éclaterait entre Israël et le Liban, Recep Tayyip Erdogan le dit devant les membres de son parti, il n'hésitera pas. Même si ce n'est pas fait devant les caméras, nous remarquons qu'en coulisses, les puissances occidentales brochent Israël dans le sens du poil et même le soutiennent. La Turquie se tient aux côtés du peuple et de l'État libanais frère. J'invite les autres pays de la région à se montrer solidaires du Liban. Quand le président turc accuse Benjamin Netanyahou d'avoir réduit Gaza à feu et à sang pour satisfaire ce qu'il qualifie d'appétit guerrier d'un malade mental, le chef de la diplomatie israélienne lui renvoie la balle. Erdogan a annoncé son soutien au Hezbollah contre les menaces d'Israël. Erdogan est un criminel de guerre qui massacre des Kurdes innocents de l'autre côté de la frontière syrienne et tente de priver Israël de son droit de légitime défense contre une organisation terroriste attaquant depuis le Liban sous les ordres de l'Iran. Ce mercredi, Benjamin Netanyahou assiste à un nouvel exercice militaire à la frontière nord. Préparation maximale face à l'ensemble des scénarios possibles. Je suis ici avec la 55e brigade, la brigade Fer de Lance. Les exercices de brigade sont très impressionnants en termes de capacité, de mobilisation, en termes d'exécution. Les combattants et commandants sont originaires de toutes les régions du pays, de toutes les couches de la société israélienne. Ils sont déterminés et s'en tiennent à leur mission, défendre le pays et remporter la victoire ici aussi. Israël n'abandonnera pas le Nord. C'est aussi le message du président Herzog, venu prier dans cette synagogue de la vieille ville de Safed. Fin d'une visite de 2 jours, accompagnée de son épouse, dans les localités quotidiennement ciblées par le Hezbollah. Jish, en Haute-Galilée, Hanita, Denechemia et le QG du commandement Nord. Face au chef des autorités locales, il l'affirme, la communauté internationale ne fait presque rien. Qu'elle ne soit pas surprise si la situation devient hors de contrôle. Oui, bonjour. Bonjour dans ce premier numéro de Perspective. Alors, on va parler du Liban. Le Liban, comme vous le savez maintenant, est bombardé quotidiennement par Israël. Les Israéliens prennent pour cible quotidiennement le Hezbollah qui se trouve de l'autre au sud du Liban, de l'autre côté de la frontière israélienne. Quotidiennement, des civils meurent sous ces bombardements. Maintenant, il n'y a même pas une semaine, il y a eu des menaces de bombardement sur l'aéroport de Beyrouth, la capitale libanaise. Pour la crainte d'une attaque israélienne sur le Liban, qui signerait un dérapage régional du conflit, mais qui paraît être un peu la porte de sortie, enfin, s'imagine-t-il, pour Israël, face à une situation à Gaza qui ne correspond pas du tout aux objectifs qui ont été donnés par Benjamin Netanyahou ou même à Tsahal en tout cas. Donc ce serait peut-être une manière, une fuite en avant parce que finalement Gaza, on n'y arrive pas et donc il faudrait porter le conflit au Liban. Il y a eu un article dans The Telegraph très étrangement sourcé et d'ailleurs qui a été modifié peu de temps après, qui évoquait le fait
avec voilà, sans dire vraiment, enfin c'était très fumeux, très mystérieux. Le fait que l'aéroport de Beyrouth abriterait des infrastructures du Hezbollah. Et là, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser est-ce que ce ne serait pas une manière de fabriquer, comme disait Noam Chomsky, de manufacturing consent, de fabriquer le consentement, enfin de rendre acceptable des frappes israéliennes à venir sur le Liban. De quoi parle-t-on ? Eh bien, on parle de l'aéroport de Beyrouth où seraient stockées des armes du Hezbollah. Ce dimanche, le média britannique The Telegraph a affirmé que depuis des années, le Hezbollah utilise l'aéroport international pour transférer des armes en provenance d'Iran, indique Al-Sharq Al-Awsat. Il cite des dénonciateurs anonymes affirmant avoir observé des boîtes exceptionnellement grandes transportées à bord de vols en provenance d'Iran qui contiendraient des missiles iraniens. Alors les accusations sont graves, elles font de l'aéroport une cible pour l'armée israélienne. Les autorités libanaises se sont empressées de nier. C'est le média Al Arabiya qui en parle. Elles ont organisé une visite de l'aéroport pour les médias et les diplomates ce lundi. Et elles ne comptent pas s'arrêter là. Selon l'agence de presse turque Anadolu, l'État libanais a annoncé qu'il allait attaquer en justice The Telegraph pour avoir terni la réputation de l'aéroport. Perspective, parce que nous allons mettre en perspective ce qui se passe actuellement au Liban avec ce que j'avais vu moi il y a 50 ans. Au moment où j'étais envoyé spécial de l'agence Sigma, qui était une agence photographique, une des premières agences photographiques au monde, donc de l'agence Sigma, où j'étais donc correspondant spécial pour le Liban. Alors voilà, je vais vous raconter cette guerre civile que j'ai vécue de très près au Liban. Le Liban a été complètement ravagé par cette guerre, qui finalement a opposé les deux blocs, l'Est et l'Ouest. L'Est, l'ancienne URSS, donc la Russie actuelle, et puis le bloc dit occidental, avec les États-Unis qui, eux, fournissaient de l'armement aux Israéliens et même à certains Libanais qui se battaient à ce moment-là, contre l'OLP. L'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, financée en grande partie par l'URSS. Eh bien voilà, un retour en arrière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a bouleversé complètement le Moyen-Orient et bien entendu le Liban, puisque nous allons parler de la guerre civile libanaise. Guerre civile libanaise qui dura 15 ans. 15 ans de 1975 à 1990, vous vous rendez compte. Pendant ce temps, les milices libanaises, quelles qu'elles soient, et palestiniennes, s'entre-déchirèrent. Il y eut des centaines de milliers de morts. Alors, que s'est-il passé pour qu'un pays prospère, qu'on nommait à ce moment-là la Suisse du Moyen-Orient, bascule complètement dans la guerre civile? Sur un atlas, le Liban apparaît sous la forme d'une tache minuscule, comme un coquillage déposé sur le rivage d'Asie par les vagues de la Méditerranée orientale. Ce petit pays a néanmoins connu toutes les grandes civilisations classiques, dont il a gardé la tradition d'un niveau culturel élevé. Les 1 600 000 habitants sont en légère majorité chrétiens, maronites et orthodoxes, par rapport aux musulmans. La langue maternelle est l'arabe,
mais on parle couramment le français et l'anglais. La capitale, Beyrouth, métropole du commerce proche-oriental, est de fondation très ancienne, mais présente un aspect moderne. La République libanaise est peu industrialisée. Son atout économique majeur réside dans le tourisme, grâce à sa longue et belle côte maritime, ses montagnes salubres et ses admirables paysages. Alors, tout d'abord, la constitution libanaise est basée sur un pacte national. Pacte national au terme duquel la présidence de la République va à un chrétien maronite, celle du gouvernement va à un musulman sunnite, et la présidence du parlement libanais va à un chiite. Bon. Dans cet environnement, à partir de 1969, les partis palestiniens de résistance et de libération commencent à s'installer au Liban, où il y a une tradition assumée d'accueil des réfugiés palestiniens. Eh oui, tradition assumée. Mais arrive un événement qui va transformer complètement le climat paisible libanais. C'est en Jordanie. Jordanie qui elle-même accueille l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, sur son sol. Et c'est là, c'est en Jordanie que va se jouer le premier acte de cette tragédie. En effet, une tentative de l'OLP et de Yasser Arafat d'assassiner Hussein de Jordanie, le roi Hussein de Jordanie, qui régnait donc sur son pays, échoue. Hussein riposte et c'est Septembre Noir. Septembre Noir, des combats furieux entre la garde nationale jordanienne et les Palestiniens. Zarqa est aux mains des fédahines depuis 8 jours. Mais depuis 2-3 jours, des combats se déroulent à Zarqa. Il faut dire qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, on ne sait pas qui tire sur qui. Ce que l'on sait, c'est que l'armée royale n'est pas dans Zarqa, elle est autour de Zarqa, et de temps en temps, elle lance des petits commandos pour essayer de tâter, si vous voulez, la situation. Et à chaque fois, 5 fois, 6 fois déjà, ces tout petits commandos, ces commandos minuscules de l'armée royale ont été repoussés par les fédahines, et évidemment, il y a eu des morts et des blessés. L'OLP est finalement obligé de fuir. L'OLP s'installe au Liban. Ah. À partir de là, le sort du Liban en est jeté. En effet, Israël ne va pas voir d'un bon œil l'implantation de ses mouvements de résistance sur sa frontière avec le Liban. D'autre part, nous sommes encore dans la guerre froide. Moscou aide la Syrie, Washington, Israël, bien sûr. Des coups de main sont effectués par les Palestiniens sur la frontière du sud Liban. Tzal répond par des bombardements. Moi, je reviens de Damas où j'ai suivi les voyages du président Nixon, donc président des États-Unis, au Moyen-Orient. Nixon, comme Kissinger, veut la paix au Moyen-Orient. Donc, il va voir les différents protagonistes égyptiens, syriens, jordaniens du Moyen-Orient. J'ai pris la route, donc, en revenant de Damas, qui mène au sud Liban. D'un seul coup, stupeur, des explosions partout. Des avions dans le ciel, il y a un bombardement devant moi. Je sors, prends un boîtier et je fais ces quelques photos. Maybe
les incidents entre l'OLP au Liban et Israël se multiplient. Mais pas seulement. L'hostilité entre la résistance palestinienne et les partis maronites libanais monte de plus en plus. Parti maronite chrétien libanais. Alors à ce moment-là, Pierre Gamaliel, chef du parti chrétien libanais, Kataeb, les phalanges, lance un appel au désarmement des Palestiniens. Le 13 avril 1975, Pierre Gamaliel assiste à l'inauguration d'une église. Une automobile passe, mitraille, son garde du corps est tué, lui, il est blessé. Dans l'après-midi, des miliciens des phalanges libanaises de Gamaliel mitraillent un autobus. Il y a 27 morts et les affrontements se généralisent. Palestiniens et phalangistes dressent des barricades, s'affrontent au fusil, à la roquette, au lance-roquette, dans Beyrouth. Beyrouth qui va être dévastée. Beyrouth, 13 avril 1975, des combattants du FDLP, le Front démocratique de libération de la Palestine, célèbrent l'anniversaire de leur premier raid, celui du massacre, un an plus tôt, de Kiryat Shmoné, un village israélien à la frontière libanaise, un massacre qui fait 18 morts civils, dont 9 enfants. Le 13 avril au matin, Pierre Gemayel, il est le chef des phalanges chrétiennes libanaises, échappe à un attentat perpétré par les fédaïnes, les combattants palestiniens. Pierre Gemayel a toujours dénoncé la présence armée palestinienne au Liban. L'installation de plusieurs centaines de milliers de réfugiés palestiniens au sud du pays a bousculé l'équilibre démographique entre les communautés libanaises. L'arrivée des réfugiés palestiniens divise. Des Libanais épousent la cause révolutionnaire palestinienne, d'autres rejettent la présence militaire des fédéines qui arrivent au Liban après les accords du Caire de 1969. Accord qui légalise la présence armée des fédéines au sud Liban. L'attentat qui cible Pierre Gemayel ce matin du 13 avril fait 7 morts, dont l'un de ses gardes du corps. Quelques heures plus tard, environ un millier de fédéines défilent dans Beyrouth. Une parade militaire qui fait suite aux célébrations du massacre de Kiryat Shmoné. Les manifestants sont enhardis par leur propre force. Le cortège scande des slogans marxistes-léninistes et s'engage, arme à la main, en dehors du quartier palestinien, dans le quartier chrétien d'Ain Roumane à Beyrouth. La population assiste inquiète à la manifestation. Elle redoute des affrontements avec les phalangistes. À Beyrouth, chaque quartier est un bastion politique. Le cortège se disperse. Aucun incident n'est à signaler. Les Palestiniens prennent la route du retour vers les camps de réfugiés où ils habitent. Un bus qui transporte des Palestiniens du camp de Tel Zaatar est attaqué par les milices phalangistes. Représailles au meurtre du matin. 31 passagers sont tués. Les trois jours qui suivent plongent Beyrouth dans la terreur. Les habitants sont terrés chez eux, les explosions défigurent la capitale libanaise, la ville appartient aux combattants. Les rues se transforment en champs de bataille, Beyrouth est à feu et à sang. Ce 13 avril 1975 marque le début d'une guerre qui s'achèvera 15 ans plus tard, une guerre qui met aux prises les principaux acteurs du Proche-Orient et du Moyen-Orient, Israël, Syrie, Iran, un conflit qui fera entre 130 000 et 250 000 victimes. Moi j'arrive au Liban. Un peu plus tard, j'arrive de Saïgon, où j'ai été retenu, comme tous les journalistes qui étaient présents, par les communistes vietnamiens. Et donc j'arrivais à Beyrouth, et j'assistais horrifié à la destruction de cette ville que j'aimais tant, où j'avais séjourné longtemps, chez des amies libanaises, dans le quartier d'Ashrafieh, le quartier chrétien. Alors du centre, je ne reconnaissais plus rien, je dis bien plus rien. C'était le quartier des hôtels. Le plus grand des hôtels s'appelait le Saint-Georges. Hôtel magnifique, absolument magnifique. Il était complètement éclaté, complètement brûlé.
En effet, les milices chrétiennes, après avoir abandonné le Saint-Georges, le Phénicia, puis le Martinez, les phalangistes essayèrent de résister de très très longs mois dans ces points avancés des hôtels où ils avaient une vue sur Beyrouth Ouest, sur toutes les ruelles de Beyrouth Ouest, ce qui était très important pour eux. En allant rapidement d'une maison à une autre, j'apercevais dans les rues des corps calcinés. C'étaient les corps des combattants chrétiens qui avaient été faits prisonniers par les Palestiniens. Le supplice était simple. On attachait le combattant à une chaise, on l'arrosait d'essence, et on y mettait le feu. C'était absolument abominable, abominable. Ce sont des choses qui resteront à jamais dans mon esprit. Ce sont des images que, mon Dieu, je ne pourrais oublier. Les images et l'odeur. Horrible. Alors, les dernières milices chrétiennes, phalangistes, tenaient encore l'Holidayine, mais c'était très, très difficile. L'hôtel fut pris par les Palestiniens, repris par les chrétiens. Il y a eu des centaines et des centaines de morts dans ces combats. Finalement, en 1976, les milices chrétiennes, Kataeb, phalangistes, se replièrent. Ils se replièrent sur le quartier d'Ashrafieh. Alors Beyrouth est séparé en deux. D'un côté, Beyrouth Ouest est le quartier des hôtels où est implanté l'OLP. Et par-delà, la ligne verte, le quartier d'Ashrafieh tenu par les phalangistes. Les phalangistes libanais chrétiens. Je suis avec une autre photographe, Catherine Leroy, devant le Parlement libanais. Catherine Leroy, je l'ai connue au Vietnam. C'est elle qui a fait ce remarquable reportage sur la côte 881. Une colline reprise par les JRA au nord vietnamien. Des photos époustouflantes. Les parlementaires commencent à sortir. Et donc le chef du parti Kataeb, Pierre Gamayel, sort avec son fils Amin. Soudain, les Palestiniens commencent à bombarder le Parlement. Je suis près de la voiture des Gemayel, avec un Nikon F2 et un 20 mm, je fais ces quelques photos. Je rafale. Le garde du corps, plaque Amin Gemayel. Son père est de l'autre côté de la voiture. D'autres parlementaires s'enfuient. C'est la panique, sauf chez les Gemayel, qui apparemment gèrent la situation. Bon, nous allons nous enfoncer de plus en plus dans la guerre civile, vous allez voir. J'ai encore plein de choses à vous raconter, mais ça sera dans un autre épisode. Si vous avez aimé ce petit épisode, n'oubliez pas le pouce, partagez et à bientôt. Au revoir.